Je décrète la restauration surnaturelle. Je décrète la restauration surnaturelle et la grâce pour rester éveillé, pour ne pas de nouveau voler, en prenant responsabilité des choses que tu dois faire. Recevez-le aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. S'endormir surnaturel est un risque. Personne n'a jamais conduit en toute sécurité. La vie est un voyage. Nous sommes sur l'autoroute. Même s'attendre est un risque. Combien de temps encore? Tout sommeil spirituel fait que certains d'entre vous sont victimes. Maintenant, réveillez-vous de votre sommeil. Sois réveillé de tes sommeils. L'une des merveilles réveille est la restauration. Je te retournerai, restaurer tout ce que l'ennemi a dévoilé. Je décrète la restauration complète de tout ce que l'ennemi t'a volé. Nous sommes appelés pour la gloire. Et tu ne peux pas voir cette gloire restaurée. Et l'agenda de Dieu dit que tu ne seras jamais honte. Tout reproche dans la vie de qui que ce soit se transforme aujourd'hui en une double gloire. Toute trace de honte dans la vie de qui que ce soit, dans ton commerce, au nom de Jésus-Christ, je déclare que c'est restauré en double gloire. Tes enfants, tes arrière-fils sont restaurés. Toute personne spirituellement est restaurée dans un niveau élevé. Ta joie est restaurée. Dieu te fera grand amour. Ta santé est restaurée complètement. Pas de douleur, pas d'éradiquer. Toute maladie est déterrée dans la vie de qui que ce soit. Il n'y a plus de faible parmi eux. Tout ce qui te cause la faiblesse et on te voit comme celui qui est enceinte, il n'y a personne parmi eux qui est malade, donc ta santé est restaurée. Ton énergie est restaurée. Ton énergie ou bien ta force est restaurée. Quel que soit, quoi que ce soit dans la vie de qui que ce soit, est restauré. Un jour nouveau pour toi. Un nouveau jour ou bien neuf jours pour ta famille. Personne
tous ceux qui écoutent ma voix, personne d'entre eux ne serait pas mort par accident, mort de la maladie. Personne de ceux qui m'écoutent ne seront jamais victimes de l'accident sur la terre, dans le globe entier, dans la mer, au nom de Jésus. Donc écoutez, les prophètes ont exigé de déclarer la restauration. Mais nous avons la responsabilité de s'assurer. Il a dit qu'il offrait une prière, mais que personne ne disait restaurer. Donc notre travail est de dire restaurer, de dire à Satan, va-t'en. L'onction éloignera le diable de votre dos, mais la révélation éloignera le diable de vous. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que ton goût pour le monde améliorerait.